Salut les amis, c'est Arkan. Je fais cette petite vidéo certainement beaucoup plus courte que la première. Pardon les amis, excusez-moi, rototo des familles. Tout simplement parce que voilà, je vais pouvoir créer mon nom, enfin mon pseudo du moins. Et je vais le faire avec vous, voilà. Hop, et je vais m'appeler Arkan, bien entendu. Si quelqu'un a pris ce nom, je lui pète les dents. C'est bon, ok. Voilà les amis, ça y est, je suis nommé. Je me nomme donc Arkan. Vous le savez maintenant, hein, depuis le temps que vous me suivez sur Boom Beach. Mais j'ai enfin trouvé chaussure à mon pied, on va dire ça comme ça. Ça y est, mon pseudo est mis. Il me manque juste un clan. Il n'y a pas de... Quoi, on peut mettre une petite photo, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Player, profil. Ok, donc bon, je sais pas. Bref, on s'en fout. Voilà, donc j'ai réussi... En fait, j'ai joué un petit peu... depuis la dernière vidéo, enfin j'ai joué rapide 3 secondes quoi. Et en fait ça m'a demandé de me nommer, enfin de changer mon nom. Donc je me suis dit bon je leur fais la vidéo, comme ça au moins personne ne pourra me dire Arkan c'est quoi ton pseudo ou quoi que ce soit. C'est Arkan, point barre, c'est tout, c'est pas 07 ou quoi que ce soit, c'est juste Arkan. Il faut que je vous montre un truc. Dans la dernière vidéo, enfin dans la première vidéo juste avant la précédente, j'ai eu une carte que j'appelle la famille Adams. Vous le voyez, c'est celle-ci. Et celle-ci, je vais la déployer. Vous allez rigoler, les amis. La famille Adams arrive. Regardez. Ils sont 50 000, les mecs. Ils sont 5... Ah, toi, par contre, ça sert à rien. D'accord. Ok. Donc, le mec vient de me troller. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, je suis en train de me faire défoncer la gueule. Mais défoncer la gueule. Putain, je suis trop dégoûté, quoi. Tout à l'heure, ça a trop bien marché. J'ai lâché la famille Adams, les mecs, ils ont pété les plombs. Bon, là, c'est pas le cas. C'est pas grave. Allez, on y va, petit mousquetaire avec ton épée, là. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, lui, d'ailleurs. Est-ce que... Ouais, lui, il a pas mal de vie, quand même. Bon, il se fait shooter, mais il a pas mal de vie. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder un petit peu... de... Enfin, je vais attendre que l'élixir arrive. Et je vais poser, hop, lui... Et on va mettre le mousquetaire avec. Tac, voilà. Et j'ai envoyé les deux. Donc le géant, le mousquetaire, on va voir si ça fait pas mal de dégâts. Alors, vous vous en doutez, vous le savez déjà. Vous avez certainement compris. Il faut détruire la tour royale. Bon, je sais pas si ça s'appellera comme ça en français ou quoi que ce soit. Allez, on balance la famille Adams. On y est les amis. C'est un truc de fou. Ils ont tout déchiré les mecs. Bon, par contre, ils se déplacent assez lentement, donc forcément, ils sont à la merci de, bah, des pluies de flèches ou des trucs comme ça. Mais c'est juste extraordinaire, les amis, regardez ça. Donc, je l'explique. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse, ils font la Macarena, les mecs. Ils font la Macarena. C'est un truc de fou. Coffre silver, c'est quoi? C'est argent. Ouais, gold, c'est or. Et ouais, silver, d'accord. Donc, je le disais. Quoi? Oui, non, mais je m'en fous, oui. Non, mais c'est... Oui, ben, y a pas de souci. Your new... Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Bon, les amis, je suis... Bon, bref, d'accord. Ok, ouais, c'était peut-être un mec, en fait. C'était peut-être un vrai mec, je sais pas, j'en sais rien du tout. J'ai pas fait gaffe. Oh, on gagne des gemmes comme ça? Ah, c'est cool, ça. Bravo, Supercell. New card unlocked. Ouais, mais il est gris, il est bidon, gobelin. Petit bomber. Ok, donc j'étais en train de dire, je ne sais plus, oui, vous vous en doutez, le but du jeu étant de détruire la tour royale qui se trouve tout en haut. Vous pouvez détruire les deux du côté, si le mec vous détruit celle d'en bas, votre tour royale à vous, vous avez perdu. Voilà. Donc, le but étant de trouver la meilleure technique, est-ce qu'il ne faut pas avant détruire les deux tours qui sont sur le côté et après focus la tour royale, je ne sais pas. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu dans l'entraînement, rien de bien compliqué, rien de bien stratégique, on va dire, tant qu'on n'affronte pas des vrais mecs. Envoyer toutes les troupes sur un côté, passer la première tour et attaquer la tour royale. En général, ça fonctionne pour les premiers niveaux, du moins. Ouais, carte collection, new. Je fais quoi si je mets use? Ça veut dire quoi? Ah, je suis obligé de la remplacer. Bon, ah fuck, petit gobelin, tu vas rester chez toi parce que tous mes mecs sont niveau 2. Qu'est-ce qu'il fait en fait le gobelin? Explique-moi ce que tu fais dans la vie. Dommage par seconde 45. Ok, dommage. Donc, je suppose que c'est par coup. Voilà, il attaque en 1,1 seconde, donc en fait, par coup, il tape à 50, dommage par seconde, vu qu'il tape à 1,1 seconde, il fait 45 de dommages par seconde, il est très rapide par contre, voilà, après, bon, c'est un attaquant de mêlée, on s'en fout, une seconde pour être déployé, voilà, ouais, ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert, là, par exemple, une seconde pour être déployé, lui, je crois que c'est 2 secondes, s'il dit pas de bêtises, une seconde aussi, non, en fait, j'ai n'importe quoi, mais lui, une seconde aussi, putain, mais fuck, bref,
Enfin voilà, il y a des unités qui certainement demanderont un petit peu plus d'élixir et un peu plus de temps à être déployées. Forcément, si elles sont là pour casser la baraque, il faut forcément qu'il y ait un point négatif à les faire déployer. Sinon, ce serait voilà, le mec qui a la plus grosse carte, il arrive, il vous sort ça sur le tapis et c'est fini, vous avez terminé quoi. Allez, je vais pas vous laisser comme ça. On va quand même faire une autre. Que quoi? Searcher. Oh putain, c'est un vrai mec. Oh non, mais alors là, c'est. Là, les amis, on n'y est pas du tout quoi. Joke contre Arcane. Allez, c'est parti. On y va. On y est. Ah ouais, donc après, c'est stratégique. Il va peut-être attendre. Wow, what the fuck? Ok. C'est bon. Ça, c'est fait. C'est terminé. Alors, est-ce qu'il va falloir que. Ouais, il va falloir que je contre ce mec. Est-ce que lui, il va partir sur le géant ou pas du tout? Ouais, il va frapper le géant. Ok, ça, c'est déjà bien. Il m'a fracassé la moitié de ma tour. Déjà, il m'a défoncé ma gueule. Mais littéralement, est-ce que j'envoie le bomber? Il va forcément attaquer par ben, le même endroit que tout à l'heure. Je vais utiliser ça parce que l'armée. Il a toujours pas utilisé de flèche, donc il a certainement des flèches. Il va certainement m'éliminer d'ailleurs. Ah ben non, enfin pas pour l'instant du moins. Il l'a pas éliminé. Par contre, là, les gars, la famille Adams, il faut attaquer la tour royale et passez pas par 50 chemins, ça sert à rien du tout. Non, je vais pas utiliser de fireball. Je vais attendre un petit peu pour balancer les deux d'un coup. Regardez, je balance un géant. Franchement, c'est chaud du slip, hein, je vous le dis. Je vous le dis, je suis en train de transpirer les cuisses. Oh putain, non, ça je crois que c'était pas une bonne idée. Quoique. Ah, ça c'est. Ah ouais, le géant en fait, il focus. Ok, il focus. Ouf, oh, il m'a fait mal, hein. Oh le bordel. Ok, allez. On va lâcher lui dans niveau 2. Voilà. Après, ça se joue beaucoup au niveau. Forcément. Hop, allez. Balance une petite pluie de flèches. C'est pas forcément très stratégique ce que je viens de faire parce que ça fait pas énormément de dégâts. Oh là 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 là. Les amis, je suis en train de serrer les fesses costauds. On va attaquer sur la droite. Il faut attaquer sur la droite. Là, il va falloir. Ouais, c'est tendu du slip. C'est vraiment tendu du slip. Hop, on va lâcher le wallbreaker parce que le wallbreaker a peut-être jeté. Ah ouais, voilà, c'est ça que je disais. On peut déployer carrément là-bas. D'accord, ça c'est quelque chose que je savais pas. Et là, il va falloir par contre focus le plus rapidement possible parce que sinon, c'est la fin d'haricot, les amis. 60 secondes restantes. Oh putain. What the fuck, qu'est-ce que je fais? Allez, j'y tire dessus. On s'en fout. Faut tout envoyer. Là, faut tout. What the fuck? Il m'a déchiré ma gueule. Allez. Bon, j'ai certainement. Attends, non. Peut-être le wallbreaker. Allez, sauve-moi la vie. Ah ouais, il déploie tout le salaud là. Ok, bon, j'ai perdu les amis. Ce jeu va me rendre fou, je vous le dis. Ce jeu va me rendre littéralement fou. Ok, bon, ça c'est fait. Je l'ai donc cululu, hein, c'est pas grave. plus une médaille, que c'est mignon. Croge. Ok, donc ça je suppose que c'est pour débloquer un coffre. Voilà, il te faut 10 victoires. Je vais en faire une autre. Juste pour voir. Si vraiment je suis une merde ou si je sais pas, 1400 de vie et combien elles ont les miennes? Ah putain, je vois pas combien il y a de vie sur les miennes. Bon, c'est pas grave. Allez. Tac. Ah non, le mec, ouais, mais là c'est pareil. Waouh. Ah oui, d'accord. Ah, je suppose que le wallbreaker en plus il peut pas toucher le dragon. Eh oui, forcément. Oh là 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 là. Oh, le dragon fait mal. Le dragon fait très mal. Je vais garder ma pluie de feu si jamais il veut utiliser quelque chose. Putain, j'ai lâché mon géant, mais mon géant ne sert strictement à rien du tout. C'est super stratégique, les gars. Il va falloir déployer des putains de stratégies. Je garde encore ça. Non, il y a un wallbreaker, donc je peux pas utiliser ça. Hop, allez, on en envoie deux, c'est parti. Et normalement, voilà, il est tué. Ça, c'est bon. Ils sont deux contre lui, donc il va mourir. Oh putain, il y a un mousquetaire. Il y a un petit mousquetaire, les gars. Bon, vas-y, on envoie ça. Dans tous les cas, bah, ils vont me déchirer ma gueule. Like, what the fuck? Ah ouais, d'accord. Ok, bon, je vais lâcher ça pour rien du tout, c'est pas grave. Allez, les petites flèches, là, les gars. Bim, bim, bim. Dans ta gueule, l'ami, dans ta gueule. Je t'ai def. Rien du tout. Mais alors, rien du tout. Le mec est en train de me passer dessus, littéralement. Waouh. Ok, ça fait très mal. Le wall... Ah, ok, d'accord. Ok, bon, très bien. Ça, c'est fait. Allez, tirez-lui dessus. Archer, je suppose qu'en plus de ça, comme il a très peu de choses, il a l'avantage sur moi largement parce qu'il a dû stocker un petit peu d'élixir. Enfin, c'est bizarre leur façon de faire parce qu'ils utilisent. Enfin, c'est stratégique aussi. Hein, je viens de découvrir le jeu, donc forcément, je suis peut-être pas. Enfin, c'est même sûr et certain. Hein, oh là 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 là, c'est abusé quoi.
C'est abusé, mais je suis pas stratégique du tout. Enfin, il y a d'autres manières d'attaquer, certainement. Alors, lâcher un géant en pleine... Oh, mais le mec, il balance des dragons tous les 2 secondes aussi. Qu'est-ce que je fasse? Allez, crève, salaud. x2 élixir, c'est-à-dire... Ah, ça, c'est cool, ça. À la dernière minute, on a double élixir. C'est ça que tu es en train de me dire, hein? Est-ce que la boule de feu, ça... Ok, bah, rien du tout. Rien du tout. Tais-toi, Seb. Ça sert strictement à rien, ce que t'as fait, là. Hop, allez, je vais tenter de lui faire des dégâts, enfin... Je me suis fait de la merde, totalement de la merde. J'ai la famille Adams, je vais pouvoir la lâcher. Bon, je m'en fous un petit peu, mais voilà. Bon, ok, c'est un vrai carnage. C'est un vrai carnage, mais par contre, je suis quelqu'un qui persiste un petit peu. Donc je vais en faire une autre, hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je me fais littéralement... ouais, non, ma fireball servira à rien du tout ici. Ok, bon, c'est perdu. Bon. Ouais. Allez, ça, c'est juste pour te faire chier. Hop, on envoie la famille Adams. Allez, tac. Match over. Allez. Bien joué à toi, mon ami. Bien joué. Mais t'inquiète pas, bientôt, je vais venir te mettre la fessée. Alors. Donc, 1400 de vie. Il s'appelle Chun Chun. Oh, ok, il s'appelle Chun Chun, c'est mignon. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, alors là, on balance ça. Il a balancé un géant, je vais en profiter pour l'éliminer un petit peu. Ça fait vraiment mal au Wallbreaker. Petit rototo des familles. Ok, donc là, mon Wallbreaker devrait... Oh, ok. Il a... Oh putain, il a fait le boulot, mais en fait, il a fait le boulot, rien du tout, quoi. Ok, allez, petit mousquetaire, on y va. Donc là, il est en train de générer l'élixir, il va me poser... Qu'est-ce que... Eh! Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Ok, je crois qu'il faut que je me fasse un stock de cartes. Parce que je suis littéralement en train de me faire rouler dessus. D'accord, ça met du temps pour balancer les flèches quand même. Ok, je me fais vraiment littéralement désosser. C'est juste extraordinaire parce que ce jeu m'engraine fortement. Mais fortement, ok? Hop, allez, on balance le ball breaker un peu sur la gauche. Elle est abusée, la sorcière. Elle a fait pop des mecs niveau 7. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? C'est abusé. Le géant est niveau 1, mais... allez, boule de feu, là. Dans ta gueule. Boum, dans ta face. Dans ta face, je t'ai pété ta gueule. Ça va pas servir à grand-chose, hein. Putain, et moi, je déploie à droite alors que c'est à gauche qu'il faut déployer, quoi. Oh, putain. Eh ouais, il attaque de loin, le mousquetaire. Eh ouais, mais le mec, il a cru que c'était une tortue ninja aussi. Bam bam, dans ta tête. Ok. Ouais, il va falloir que j'améliore un petit peu, mais enfin un petit peu beaucoup même d'ailleurs. Mais il faut que j'améliore mes unités parce que là, ça le fait pas du tout. Allez, le ball breaker, on y va. Ah, il m'a jeté ses coronesses sur la tête. Allez, double élixir, voilà, à partir du moment où on passe à 1 minute, je crois, il y a double élixir, apparemment, donc double élixir, ce qui signifie que, voilà, le burst, aïe, la salope, putain, il me fait chier, lui, allez, mais moi, je te chie dessus, quoi, putain, on y va, les gars, aïe, aïe, sorcière, les gars, serrez les fesses, sorcière, je vais jeter une paire de flèches pour voir ce que ça donne, bon, ça lui a absolument rien fait du tout, ok, le mec, je l'ai caressé, c'est tout ce que j'ai fait. Allez, waouh, mais je veux la sorcière, mais c'est trop beau gosse. C'est... Oh, c'est génial. C'est génial, ce jeu est monstrueux. Je me fais littéralement exploser, mais j'en ai rien à foutre. Ce jeu est monstrueux, je vais revenir, les amis, je vais revenir. Et je vais leur mettre la fessée, c'est sûr et certain. Fuck, voilà, fuck, 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 tu veux me défoncer, je vais te défoncer aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, je suis un dingo, moi. Ah, la sorcière, il me l'a fait pop 2 fois. Il m'a littéralement fracassé ma tête. Ok, bon, j'ai perdu, lol. Ça fait mal. Chun Chun m'a défoncé ma tête. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux améliorer mes cartes. Comment ça peut se faire? Alors, déjà, pour la prochaine upgrade, c'est 140. Ok. Est-ce qu'on a une autre manière de pouvoir progresser dans le jeu? Alors, new card will appear dans... Ah, donc ça apparaît dans 10 heures, c'est ça? Je comprends pas, en fait. Comment ça... Je peux l'acheter? Je comprends pas trop, mais d'accord.
Non, la boule de feu, non, j'aime pas trop. La boule de feu, c'est pas forcément ce que... Pas 2000 pour le Baby Dragoon, ils sont fous, quoi. D'accord. Oui, bon, après, forcément, il y a les diamants qui rentrent en compte. Ok, ça, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Voilà, d'accord. Donc, on peut améliorer l'archer. Ça, c'est cool. Très bien, il gagne... ouais, pas mal, 14, 4... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas forcément... Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais c'est sympathique. C'est sympathique. Ok, les amis, je vais vous laisser ici. Je vais essayer de progresser un petit peu, histoire de vous montrer un peu plus de gameplay, un petit peu plus de stratégie aussi. Ça me permettra, moi, d'autant plus de voir venir les choses un petit peu, de prendre l'habitude et un petit peu l'expérience sur ce jeu. Parce que là, mine de rien, je me suis fait littéralement exploser devant vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, j'assume, il n'y a pas de problème. 16 minutes de vidéo, vous allez me détester, c'est tellement long, mais c'est tellement bon en fait. Voilà les amis, je vous laisse ici, c'était Arcane, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description, même si je fais 99% de Boom Beach, je me régale sur Clash Royale et il y a de fortes chances que je crée du contenu sur ce jeu. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais voilà. Salut les gars, ciao!